Autre actualité de cette édition d'information, préoccupée par l'hygiène et la santé des populations, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, à travers sa cellule d'assainissement en charge des questions d'environnement en collaboration avec le groupement des femmes Moussoutia-Siriton de Niamakoro, a initié une journée de salubrité dans le dit quartier situé en commune 6 du district de Bamako. L'activité a été couplée avec une remise d'une cinquantaine de poubelles destinées à la dite association. C'était ce jeudi 10 octobre 2019. Suivons ce reportage. L'insalubrité constitue un facteur de risque majeur pour la santé des populations et la dégradation de notre environnement. C'est pourquoi le département en charge des questions environnementales, conformément à sa mission de politique nationale de protection de l'environnement, multiplie des actions de sensibilisation et accompagne toute initiative visant à assainir le district de Bamako. Ma présence, c'est par rapport au rôle et à l'objectif à atteindre par l'objectif cherché à atteindre par le département qui est d'assainir Bamako et à travers la population à la base. Et les femmes de Niamakoro et qui sont appelées le regroupement Moussoutia-Siriton de Niamakoro avaient demandé à organiser une journée d'assainissement. Donc le ministère qui avait déjà l'idée aussi de distribuer des poubelles aux femmes des différentes communes de Bamako et ceux des quartiers Koulikoro également. Cette journée de salubrité, couplée à une remise d'une cinquantaine de poubelles au groupement des femmes, a concerné les rues de Niamakoro, mais aussi la mosquée du dit quartier. L'initiative a été saluée par la population, singulièrement par les femmes qui ne sont pas restées en marge de cette activité. Elles ont exprimé toute leur joie et satisfaction à l'endroit du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. L'activité a été menée par le ministère de l'Environnement. Donc, ils ont venu nous solliciter de nous donner des dons pour les femmes, les poubelles, 50 poubelles. Donc, là, le mot nous manque pour les remercier parce qu'un don de poubelle, c'est sauver des vies. Parce que les ordures, ça, c'est la maladie. Donc, quelqu'un qui te donne des poubelles pour les femmes, donc, on n'a pas le mot, c'est juste pour les remercier de leurs actes. Merci, monsieur le ministre Ousseyni Amion Guindo. Notre journée de salubrité s'est passée avec les femmes. On a balayé les rues, comme vous avez vu, avec la mosquée. Donc le don là aussi sera partagé avec les femmes, avec la mosquée et puis le chef du quartier. Tout ce qui est humainement possible, on le fera pour les accompagner. Mais de ce fait, on préfère surprendre les femmes, comme vous-même vous l'avez constaté aujourd'hui, plutôt que de dire qu'on va faire ceci, on va faire cela. Qu'elles chassent ou pas, on est déjà dans la recherche de ce qu'on peut faire pour alléger leurs tâches. Donc on va aller dans ce sens-là. À noter que ce genre d'activité citoyenne est en cours en ce moment dans toutes les communes du district de Bamako et dans le cercle de Kati. Cette action, au dire des initiateurs, permettra de faire en sorte que la capitale et ses environs soient assainis. L'Association des journalistes pour la promotion des arts et de la culture, Journac, a organisé ce jeudi 10 octobre une grande cérémonie de remise des prix Nyeleni à certaines femmes de la presse, des communicatrices traditionnelles et d'autres femmes battantes qui œuvrent pour le développement économique, social et culturel du Mali. Cette cinquième édition de la soirée des Nyeleni, présidée par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, a vu la présence des autorités politiques, chefs coutumiers et leaders religieux de Dio. C'est un reportage de Samaira Sanogo. Elles sont au total 10 communicatrices et femmes battantes à être gratifiées et remerciées à travers cette cinquième édition de la soirée des Nyeleni, organisée par l'Association des journalistes pour la promotion des arts et de la culture. Nous voilà une fois de plus réunis pour magnifier les femmes. Ces femmes si particulières qui ont choisi ce sacerdoce, ces femmes qui, par vocation, braves vents et marées pour éduquer, sensibiliser et surtout informer. Elles, ce sont les journalistes, les animatrices,
les comédiennes. Bref, je parle de la communicatrice dans toute sa diversité. Comme chaque année, Madame la Ministre, elles seront gratifiées et remerciées cet après-midi à travers la soirée des Nyeleni organisée en leur nom pour tout ce qu'elles font pour la communauté. Le choix de la commune réelle de Dio pour la tenue de cette cérémonie qui vise à magnifier les femmes est un véritable honneur pour la municipalité de Dio, toute heureuse d'accueillir chaleureusement l'association des journalistes pour la promotion des arts et de la culture. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, c'est la célébration de la 5e édition des prix Nyeleni qui récompense cette année les meilleures journalistes et commentatrices du Mali qui se sont illustrées à travers leurs publications, émissions et œuvres en faveur de la promotion de la famille rurale et de la recherche, information et sensibilisation en valeur d'un plaidoyer pour le bien-être de la famille rurale au titre de l'année 2019. Cet événement est aussi spécial puisque la commémoration de cette 5e édition des prix Nyeleni l'inscrit particulièrement dans la dynamique de la Journée mondiale de la femme rurale. Je voudrais vous témoigner singulièrement toute ma reconnaissance pour votre présence effectuée à cette cérémonie qui prend du cours. Une dimension toute particulière à l'écart de votre statut. Engagée à mettre les femmes en général et celles du milieu rural au cœur du développement du Mali, Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, marraine de cette édition, s'est fortement réjouie de cette initiative qu'elle trouve noble et salutaire. Et je salue cette initiative, c'est une belle initiative. Ça rentre en droite ligne avec les attentes du département que je pilote, le département de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Et ça va en droite ligne aussi avec la lettre de mission de son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la République. Aujourd'hui, nous sommes à Dio pour célébrer la femme. Et quelle femme? La femme rurale. Parce que l'association des femmes journalistes ont couplé deux cérémonies. L'édition Nyeleni et la célébration de la Journée internationale de la femme rurale. C'est une très belle initiative et c'est un bon moyen de galvaniser ces femmes. Elles sont heureuses, elles ont été primées, c'est le mérite. Cet événement de reconnaissance de mérite des femmes était riche en couleurs. Un sketch sur le rôle de la femme rurale dans le développement d'un pays, des prestations balanfonistes et des animations folkloriques de la localité ont tenu en haleine l'assistance. Et nous retrouvons Amadou Diarra pour le commentaire de l'actualité africaine et internationale. Le Premier ministre malien, Dr Boubou Cissé, a officiellement installé ce jeudi le comité régional de gestion de la crise dans la région de Mopti. Il a également rendu visite aux blessés de la dernière attaque de Boulkessi revendiquée par les djihadistes. C'est donc par un champ militaire que le chef du gouvernement malien a été accueilli dans le camp militaire de Sévaré. C'est devant plusieurs centaines de soldats et d'officiers assis autour d'un repas de corps que Boubou Cissé a pris la parole pour rendre hommage aux blessés de guerre à qui il venait de rendre visite. Il affirme en ces termes, je cite: je viens de visiter les blessés de l'attaque terroriste de Boulkessi. Les hommes que j'ai vus coucher là ont montré toute leur bravoure et leur courage. Même dans leurs blessures, on sentait ce sens de l'engagement et du sacrifice au service de l'État. Fin de citation. Un Africain désigné nouveau prix Nobel de la paix. La nouvelle est tombée ce vendredi dans la matinée. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est vu attribuer le prix Nobel de la paix. Artisan de la réconciliation de son pays avec l'Érythrée, le chef de gouvernement éthiopien a reçu cette haute distinction ce 11 octobre. Âgé seulement de 42 ans, il est aussi, depuis mars 2018, le premier ministre dans l'histoire récente de son pays à être issu de l'ethnie Oromo. Sous son impulsion, l'Éthiopie et l'Érythrée avaient annoncé leur réconciliation le 9 juillet 2018 après 20 ans d'hostilité sur fond de litiges frontaliers. Deux décennies marquées par une guerre civile sanglante entre 1998 et 2000 au cours de laquelle plus de 80 000 personnes ont perdu la vie. «
Au Cameroun, pour le parti de Maurice Kamto, les autorités doivent aller encore plus loin si elles veulent résoudre le conflit en zone anglophone et la crise politique qui secoue le pays depuis la présidentielle. Si le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, se félicite de l'abandon des poursuites contre ses responsables et partisans libérés le week-end dernier, le combat n'est pas terminé pour autant. Dans son communiqué diffusé mercredi, le principal parti d'opposition rappelle que nombre de ses camarades restent poursuivis par la justice civile. Actualité au Maghreb à présent. La campagne pour la présidentielle s'achève ce vendredi en Tunisie. Le second tour oppose l'universitaire Kais Saied qui a obtenu au premier tour 18,4% des voix à l'homme d'affaires Nabil Karoui avec 15,58%. Le contexte est bien particulier. La justice a fait libérer Nabil Karoui qui était en détention depuis le 23 août pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Ce soir, les deux candidats débattront en direct à la télévision. La lassitude des Tunisiens commence à poindre. L'économie peine à décoller. Les services publics sont défaillant, le chômage est important et l'inflation ampute le panier des ménages. La préoccupation des Tunisiens étant bien évidemment l'amélioration de leurs conditions de vie. La conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose s'est achevée jeudi à Lyon, en France. L'objectif de recueillir 14 milliards de dollars a finalement été atteint pour que le fonds puisse mener à bien ses programmes pendant les trois prochaines années. Plusieurs chefs d'État africains avaient fait le déplacement et des rencontres bilatérales ont été organisées avec le président français. En marge de la conférence, Emmanuel Macron a donné rendez-vous à plusieurs de ses homologues africains. Le chef d'État français a reçu les présidents du Niger, de Madagascar, du Burkina Faso et du Cameroun, et dans ce dernier cas, c'était une première. Au cœur des échanges, le dialogue national sur la crise camerounaise. Et enfin, le Rwanda ouvre ses portes aux migrants africains. Débarqués hier soir à l'aéroport de Kigali, il s'agit du deuxième groupe accueilli par le Rwanda dans le cadre d'un accord avec l'Union africaine et le Haut Commissariat pour les réfugiés signé le mois dernier. Le Rwanda a promis d'accueillir dans un premier temps 500 demandeurs d'asile bloqués en Libye. Les 66 premiers sont arrivés il y a juste deux semaines. Comme eux, les nouveaux venus ont été acheminés vers un centre de transit à Gachoura, au sud de Kigali. Un centre où ils resteront jusqu'à ce qu'une solution viable pour eux soit trouvée. C'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérifla Télévision. Bonsoir.